Horoscope Capricorne du 15 juillet 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope amour. Tenez ferme, ne vous laissez pas ébranler par les turbulences qui secoueront votre ciel sentimental. Ce ne seront que des bourrasques plutôt que des tornades, et il suffirait d'un peu de bon sens et de tolérance pour que tout redevienne calme. Dans un certain sens, ces coups de vent seront bénéfiques, rien de tel pour réveiller un amour heureux mais qui s'endort. Horoscope Argent. Attention à votre situation matérielle. Vous pourriez bien grever votre budget en dépensant un peu à tort et à travers. Pensez à serrer la ceinture. Aussi, faites preuve de vigilance. Ne vous lancez pas dans des opérations financières hasardeuses. Elles pourraient vous coûter cher. Horoscope Santé. Le soleil en superbe aspect jouera favorablement sur votre santé. Et comme il parle de rayonnement et de vitalité, vous serez de très bonne humeur et plutôt en forme. Mais pour certains d'entre vous, sans que rien de grave ne les menace, ils risquent d'être un tantinet patraque. Migraine, léger problème digestif, peut-être. Horoscope Travail. Mercure en excellent aspect promet d'être avant tout très agissant sur le plan professionnel. Il rendra les natifs plus réfléchis, moins impulsifs, plus désireux d'adopter une stratégie à long terme. Il sera donc particulièrement précieux pour les étudiants, dont le pouvoir de concentration et la discipline seront renforcés et qui peuvent prétendre à d'excellents résultats dans leurs études. La planète sera aussi très favorable pour tous ceux qui passent des examens d'admission ou de promotion ou qui entreprennent un recyclage. Horoscope Famille. Les problèmes familiaux auxquels vous avez été confrontés commenceront à s'atténuer. Cependant, vous risquez d'avoir des conflits avec vos enfants si vous ne leur consacrez pas un peu plus de votre temps. Horoscope Vie sociale. Avec plusieurs planètes en bel aspect, attachez-vous surtout à exprimer ouvertement ce que vous pensez ou ressentez, au lieu de ruminer intérieurement tous vos griefs. Cela évitera de brusques explosions de colère, aussi négatives pour votre entourage que pour vous.